Ah. Bonjour, je m'appelle François. Et toi, tu t'appelles comment? Frédéric. T'es où, là? À Bordeaux, Pessac, en fait. Non, c'est ça. D'accord. C'est Pessac. Et tu participes à quoi? Journée d'été. Tout à de, fait. De quoi? J'allais dire des verts. De LV. Europe Écologie. Europe Écologie. Les aux verts. Journées d'été, des écologistes. Voilà. Voilà. Et là, tu as un super badge. L'eau, un droit humain. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'eau, un droit humain, c'est en fait une initiative citoyenne européenne, enfin le badge en tout cas qui correspond, puisque l'eau devrait être un droit humain, ça paraît logique pour tout le monde. C'est une initiative citoyenne européenne qui a été un grand succès l'année dernière. Combien de voix? 1 700 000, génial. Quelque chose comme ça au niveau européen, voilà. Bon, pas trop en France, enfin on a fait tout un effort, mais on est arrivé quand même à 22 000. Voilà, moi je crois que c'était 22 000, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais c'est de cet ordre-là, voilà. D'accord, et donc qu'est-ce que vous avez obtenu? On a obtenu déjà dans un premier temps que Barnier retire l'eau des concessions, c'est-à-dire que l'eau puisse être remise sur le panier pour les municipalités, c'est-à-dire que les municipalités aient le droit de remunicipaliser l'eau, parce qu'il était question que ce droit-là leur soit retiré. Et maintenant, en tant que citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire? En tant que citoyen, ce qu'on peut faire, c'est continuer à observer ce qui se passe sur l'eau. Alors, il n'y a pas uniquement l'histoire de facture, mais c'est pas mal quand même déjà de regarder ses factures d'eau. Ça peut aider à comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa ville, par exemple à Nîmes. Et est-ce qu'on peut faire pression? On peut faire pression. Comment? On peut voter aussi pour les gens qui soutiennent plutôt les campagnes de l'eau. Par exemple, à Montpellier, il y a eu quand même un gros basculement, même si ça reste à gauche. Toute la lignée fraîche qui était établie depuis très longtemps a été bousculée largement. ELV officiel au passage, mais il y a d'autres ELV qui étaient intelligents quand même, qui préféraient mettre leur billet ailleurs. Et c'est un candidat qui soutenait plutôt le fait que l'eau soit municipalisée qui a gagné. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Frédéric.